Allez, une chronique pour vous, les filles, qui va révolutionner votre façon de vous coiffer. Parce que justement, cet hiver, vous savez, il faut être wavy. Et vous pouvez être wavy en un tour de main, un tour de doigt même. Pas vrai, Laurence? Oui. Et oui, aujourd'hui, je me suis dit, bon, là, c'est vrai que c'est la mode pour le wavy. Et bon, bah, les jeunes femmes, elles se disent, oui, mais comment? Moi, j'ai les cheveux complètement raides et je peux pas le faire. Donc, voilà. Non, j'étais raide il y a encore 2 heures. Exactement. Vous êtes toujours un peu raide. Hein, non. Bah, c'est l'effet de la télé. Mais après, dans la vraie vie, c'est super. Vous m'avez dit Shakira tout à l'heure. C'est wavy. Donc, c'est vraiment wavy. Et en plus, on avait un super modèle pour montrer. Merci, Laurent. C'était moi, Tristan. C'était moi. Donc, on va pouvoir voir ça, voilà. Regardez, vous me voyez même avec les cheveux mouillés comme un petit chien qui sort de l'eau. Donc là, bon, bah, on met les cheveux et là, on met ce fameux produit sur toute la chevelure, sur cheveux, donc... Oui, parce que c'est ça qui est révolutionnaire. C'est sans plaque, sans fer. Le fer qu'on connaît. Sans fer à boucler, exactement. Tout part d'un produit qu'on a pris sur les cheveux. Voilà, exactement. Qui donne du corps aux cheveux. Ouais. Alors, tout qui reste, en fait. Bon, après, on va les sécher, on va le voir. Il faut donc avoir les cheveux mouillés au départ. Oui, on fait son shampoing, on s'essore bien les cheveux. Et là, on applique. Il tire très fort les cheveux, quand même, non? Mais je ne crains personne, Tristan. Je ne sais pas d'où il est. Le mouvement. Oui, alors par contre, là, voilà, là, on le voit. Il faut. On prend, voilà, on vrille ses cheveux. Vous voyez, on prend mèche par mèche, on vrille ses cheveux vers l'extérieur. Alors voilà, est-ce qu'il y a un sens? Oui, donc toujours vers l'extérieur. Voilà, exactement. Ça fait là, on va le voir. Ça fait voyez, mèche par mèche. Je mets dans la prairie. Ça fait Nelly Olson, sinon. Charlie Gans. Non, voilà, c'était Nelly Olson. Vous voyez, on vrille. Ça, c'est quand même assez. Ben oui, c'est facile. C'est plutôt facile. Voilà, donc on prend. Oh, regardez, voilà, tout brillé là. On est juste brillé. Donc on prend mèche par mèche, on vrille. On vrille, exactement. Et là, ça allait super vite. Parce qu'il faut dire, c'est que David, donc du salon Tokoya également, il a mis quoi 8 minutes même pas pour tourner les cheveux. Oui, tout à fait. Oh, ouais, c'est donc voilà. Ça, je veux dire, on peut toutes le faire. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tous les cheveux ça faire bon, ça par contre. Ça veut dire que sur le cheveu, il reste cette espèce de produit à gras qui. Non, c'est pas gras. Est-ce que vous trouvez que ça fait gras sur l'axe? Vous venir toucher. Non, il y a le produit. Oui, il y a le produit. Mais justement, on est loin des produits. Ça reste. Ça tient. Ces produits qui sont. Vous allez vous laver les cheveux. Ah, mais ça part, c'est ça. Ah oui, ça part. Voilà. C'est pour donner un petit effet, justement. Du coup, je ne ferai jamais comme vous à vie. Voilà, mais est-ce que c'est un gros problème pour les femmes d'avoir les cheveux lisses ou les cheveux On a envie de changer. On a envie de changement. On n'est jamais content de changer. Si, on est contente, mais on est contente de changer. Ouais. Je vois ça comme ça. Alors, regardez Brigitte, elle est bouclée naturellement. Voilà, exactement. On a envie de changer. On est toutes pareilles, de toute façon, je crois. Comme moi, voilà, j'ai changé de couleur. Ah oui, puis ça vous va très, très bien. C'est un peu ça, de vouloir changer. Et là, justement. Alors là, voilà, c'est la page acrobatique. Donc là, avec le diffuseur, parce que bon, c'est vrai que le... Alors, quel est l'intérêt du diffuseur? Ça diffuse l'air, ça évite que l'air arrive trop vite sur le cheveu et justement défasse la peau. Ça fait pas gonfler. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, ça ne fait pas gonfler, mais ça... Oui, un sèche-cheveux classique, non? Oui. C'est moins bien. Bah, c'est mieux avec le diffuseur, franchement. Sinon, ça fait quoi? Ça défait plus vite la boucle. Alors que là, vraiment, d'ailleurs, on va le voir à la fin, la boucle se met vraiment en place. Mais c'est vrai que là... Le fait d'avoir vrillé ces petites mèches, c'est ce qui donne cet effet après de wavy, de vague en fait. Ouais. Exactement. Et est-ce que tout type de cheveux, ça s'adapte à tout type de cheveux, les cheveux colorés, les cheveux fins? Les cheveux fins. Bah, surtout les cheveux fins. Parce que ça donne du volume, c'est ce qu'elle recherche. Une jeune femme qui a les cheveux fins, qui en a marre de son petit cheveu raidi, qui n'a pas de volume, vous mettez ce produit, vous séchez, hop, ça lui donne du corps à son cheveu. Ouais, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est super. Et voilà ce que ça donne. Et c'est vrai que voilà, surtout que ce soit très sec hein, pour le rendu, parce que sinon, exactement, ça tient pas après, ça lâche. C'est un côté sauvage. Mais oui. C'est très sympa. C'est ce qu'on voit en ce moment beaucoup dans les magazines. Et les cheveux bouclés, comme Béa, par exemple, justement, si elle veut refaire sa boucle, elle peut aussi. Bien sûr, complètement. Ça s'adresse pas qu'aux cheveux. Non, ça s'adresse pas qu'aux cheveux. C'est pour redonner un peu de vie. Ouais. Parce que des fois, on a un peu la boucle qui, c'est vrai, voilà, elle est un peu plus fatiguée. Non, Béa, la boucle qui pas du tout. Elle est très bien. Mais si elle veut donner un petit peu plus de volume, c'est bien. Voilà, alors après, voilà. Là, c'est vrai qu'on défait un peu tout ça. Ouais, voyez, là, il a laqué la frange. Et voilà, ça donne vraiment un super volume. C'est très, très chouette. C'est super, et ça tient dans le temps d'un shampoing. Là, avec le séchage. Une heure avec le séchage. Bon, c'est vrai que là, David a mis un peu plus de temps. Puis, il y a des cheveux longs, donc c'est bon. Là, on a vraiment les cheveux longs. Bon. Mais c'est plus long, c'est le séchage. Quand il a appliqué. Pour appliquer, comme on a dit quoi, entre 5 et 8 minutes. 8 minutes, exactement. Hyper rapide. Donc ça donne vraiment un effet. Non, c'est très sympa.
Et ça donne une idée pour toutes ces jeunes femmes. Oui, ça donne des idées. Alors, on peut le faire chez vous en salon. Oui. On peut acheter le produit également en salon. Et on le fait à la maison. Et on le fait à la maison. Avec donc puis, des phases voilà, très faciles. On lave la tête, on applique, on tortille les cheveux, on sèche. Et ça, là, on a fait 24 euros le produit. Ouais, donc ça va. Et puis ça dure plusieurs semaines, enfin, on peut le faire peut-être une dizaine de fois. On n'en met pas beaucoup sur les cheveux, justement, c'est une espèce de crème. Ouais. Et on applique comme ça sur ses cheveux, on n'en met pas. De toute façon, non, c'est vrai que c'est... Vous êtes reine ou vous faisiez... moi, je suis entre deux. Mais là, je fais mon brushing red, mais ouais. Je suis un peu entre deux. Si je fais ça, j'ai les cheveux avec beaucoup de volume, mais j'aime bien aussi. Je le fais une fois oui, une fois non. J'aime bien m'amuser avec mes cheveux. Et c'est sympa. Volumes. Bah oui, c'est bien. Les femmes s'amusent avec les cheveux. Carrément. Donc, aussi, les hommes. Oui, oui, c'est vrai. Tentez le Wavy cet hiver. Tristan va tenter le Wavy sur sa crête. On verra ça la semaine prochaine, d'ailleurs, avec une chronique Ferrari. Ça va très bien aller le cheveu dans le vent. Merci beaucoup, Laurence. On retrouve, bien évidemment, on vous retrouve chez Tokoya, 80 rue Paradis, à Marseille, dans le 6e arrondissement. Donc, soit vous nous faites, soit on achète le produit et on essaie à la maison. Voilà.